au début, nous n'avons pas eu l'idée d'avoir des noyaux. Au début, c'était juste des sensibilisations qu'on faisait à l'université sur les engagements de la RDC dans la promotion du genre, dans la lutte contre la discrimination faite aux femmes, faite aux groupes vulnérables, etc. Et à la fin, l'idée est sortie des discussions avec les étudiants pour qu'on mette en place un mécanisme qui va être pérenne au niveau des universités. Et ce mécanisme-là, c'est de créer les noyaux. Je suis la coordonnatrice du noyau d'Elifasic et mes copines sont les coordonnatrices dans leur classe. Elle, c'est Magdala, elle est de la G3. Et c'est Immaculée, elle est en G2. Et elle, c'est Dorcas, elle est de la G1. Il y a deux autres collègues qui manquent, un garçon et une autre fille, pour faire 6. Dans chaque université aujourd'hui, nous avons ces noyaux qui est parti des 4. Et aujourd'hui, on a tout au plus 10 par noyau. Et les noyaux choisis sont porte-parole. Le porte-parole travaille pendant un temps. C'est une alternance qu'ils font au fait pour que les noyaux ne soient pas personnalisés. À partir de ma classe, je veille sur le problème, les soucis des autres collègues, les soucis d'harcèlement sexuel, de violence sexuelle, les points sexuellement transmissibles. Les filles font pareil aussi dans leur classe. Ce qu'on fait, c'est que moi, si j'ai des soucis, j'intéresse aux filles, on se le partage et on trouve une solution pour le monter à la coordination ou au groupe de syndicalistes, de professeurs syndicalistes de l'IFASIC. Alors, il arrive souvent que nous puissions avoir des relations avec ce noyau qui nous met au courant de leurs problèmes, essentiellement liés aux avances, à la limite aux harcèlements éventuels de l'un ou l'autre membre. Et nous, à notre tour, nous approchons les personnes citées éventuellement pour leur prodiguer des conseils pour que nos relations avec les étudiants soient les relations les plus cordiales et les plus pacifiques. Je suis Linda, étudiante victime d'harcèlement sexuel dans une université de La Place. J'en ai parlé à mes camarades, ils m'ont proposé de voir un noyau. Je suis David, coordonnateur de l'un des noyaux universitaires. J'ai fait la connaissance de Linda quand elle est venue me voir par rapport à ses problèmes au sein de l'université. Je lui ai proposé l'aide du noyau, mais elle était hésitante. Je ne voulais pas de problème à l'université. Mais il m'a fait comprendre que si je ne réagissais pas, ce cercle vicieux allait continuer. Les amis, nous avons un cas spécial, donc un cas de violence sexuelle. David est là, il va vraiment nous relater sur ce qui est arrivé à Linda. Il y a notre camarade, une étudiante comme nous, du nom de Linda, qui a été harcelée par le secrétaire général académique. Voilà pourquoi en ce jour, je voulais faire appel aux membres de tous les noyaux afin que nous puissions ensemble réfléchir sur la meilleure chose à faire. Nous devions forcément chercher l'un des professeurs qui collabore bien avec l'enseignant, qui est dans ce cas, pour essayer un peu de l'interpeller. Vu qu'il s'agit d'un secrétaire général académique, organiser un comité pour aller parler au recteur, dénoncer aussi dans des réseaux sociaux, page Facebook. On peut même aller plus loin, on peut dépasser l'université parce que nous savons que l'autorité peut facilement influencer une autre autorité. C'est leur secteur, au fait. On lance une pétition dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, même si on ne va pas citer le nom de gens, mais qu'ils savent au moins qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que l'auteur de cette histoire va avoir le poids sur la conscience. Après avoir écouté les uns les autres, je crois qu'on pourrait peut-être essayer de procéder par deux méthodes. Premièrement, on essaye d'abord au sein de l'université de voir aussi, comme l'a dit Joseph, quelles sont les autres personnes qui se retrouvent dans le même cas. À partir de là, on peut essayer soit d'aller voir d'autres professeurs, de voir aussi d'autres autorités, en l'occurrence les recteurs, pour essayer de faire pression auprès d'eux. On pourrait aussi utiliser les réseaux sociaux afin de publier l'histoire. Étant autorité, ils tiennent aussi à ce que l'université puisse conserver son image. Donc on va essayer de jouer sur cet effet-là. Encore une fois, merci pour vos apports respectifs. Je me disais déjà que j'étais foutue, qu'il fallait peut-être envisager de quitter l'université. Et j'apprends que ce professeur a été rétrogradé. Je n'en revenais pas. Le noyau a réussi. C'est là que j'ai réalisé qu'il y en avait qui avaient vécu pire. Mais ce sont eux. Moment de la formation avec les CIJ 1325 financés par Cordaid, je ne savais vraiment pas dans quoi je m'engageais.
Je l'avais fait tout simplement parce qu'à un moment donné, j'avais ressenti ce besoin-là de m'engager socialement. Mais je n'avais pas de lien particulier avec tout ça. Mais depuis l'histoire de Linda, cette expérience m'a motivé à pouvoir m'engager encore plus pour emmener encore plus loin ces noyaux. Aujourd'hui, Cordaide est avec nous parce que Cordaide a senti qu'il faut aider la société congolaise dans ce sens-là. Mais demain, Cordaide peut partir. Nous devons prendre ça comme notre problème à nous, Congolais, d'abord. Et parmi ces étudiants, vous savez qu'il y a des victimes. Alors, pour une victime, ça ne sert à rien de lui dire que vous devez être appuyé pour agir. Donc, elles ont compris. Nous faisons un effort pour que les étudiants s'approprient de la question. Et nous sortons même des universités parce que les étudiants avec lesquels nous travaillons ont aussi d'autres initiatives en dehors de l'université. Donc nous en faisons un problème de société pour que ça ne dépende pas du financement d'un bailleur.